Bonjour à vous YouTube, bienvenue sur la suite de Total War Warhammer. Ça fait une semaine encore que j'ai pas joué, donc comme d'habitude, il faut que je me rappelle un petit peu de ce qu'on avait fait. On avait repoussé pas mal d'attaques, on avait réussi à se renflouer, on est enfin dans le positif, c'est un peu compliqué, mais ça se passe. Le chaos arrive, le chaos arrive, le chaos est ici par là. Le chaos, le chaos. On a vu le chaos, on sait qu'il arrive, on sait qu'il est par là, c'est un peu compliqué. Mais bon, bravo à Sénécaille qui a désamorcé la bombe sur le live. Tu es très fort. Alors, on avait un agent quelque part par là. Voilà, lui. Lui, on va l'envoyer en. Faudra qu'on l'envoie en reconnaissance pour qu'il puisse checker un peu au niveau du chaos comment ça se passe. Si ça s'approche ou pas. Sachant que le chaos va arriver forcément du nord, donc de ces zones ici. Donc moi, je dois défendre soit là, soit là. J'ai toujours Roche de Fer, j'ai toujours Caratron. Je ne vais pas attaquer Pic Noir pour la simple et bonne raison que je vais garder ici. Et je dois réparer beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures. Je dois réparer énormément de structures. Ça va me coûter de la thune, mais il faut que je le fasse. Alors, je peux augmenter l'ordre public. Je pense que je vais augmenter ça, même si j'ai pas encore d'arquebusier. Il va falloir que je le fasse. Sachant que là, on va pouvoir. Grâce à ça, grâce à ce bâtiment, on va pouvoir commencer à recruter des arquebusiers, les amis, des engins de siège, etc. Donc ça, c'est parfait. On fera ça bientôt. Sachant que nos deux armées sont globalement plutôt assez bien remplies. Mais je pense qu'on va virer certains de nos... Ah, j'ai quand même... J'ai une catapulte, là. Je pense qu'en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais démanteler les catapultes. Je vais enlever deux de chaque troupe ici, plus je pense un ou deux là, ou un. Et je vais recruter plutôt des arquebusiers et des engins mécaniques, on va dire. Je pense que je vais faire ça. Je peux pas lancer d'autres constructions, j'ai plus de thunes, j'ai plus assez de thunes pour lancer d'autres constructions, donc on va passer le tour. Bon, les peaux vertes devraient me laisser tranquille. Ah, ou pas. Mais là, c'est un héros, donc ça va. Bon, si je perds Roche de Fer, c'est pas très grave. Mon but est vraiment de garder mon... mes colonies de base. Alors, Kalakdin, qui veut un traité de paix. On est déjà alliés, non? Il veut un traité de paix et du coup il me donne de l'argent pour ça. Mais on est déjà alliés. Je suis pas fou. Bon après je veux bien, tu vois. C'est le moment de faire la paix. C'est le moment de faire la paix. En fait il faut vraiment qu'on rassemble nos troupes entre nains, je pense. Pour affronter le chaos qui apparemment... va être assez spectaculaire. Du coup, ce serait bien qu'on puisse gérer ça, quoi. Ah ah. Et du coup, on voit pas les trucs de chaos bouger. Les clans se plaignent comme d'habitude, mais en ce moment, ils sont particulièrement mécontents. Les seigneurs de clan râleur se réunissent dans les moules de votre règne. Populace mécontente. Ok, pendant 3 tours. Alright. Alors, là on va faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on va dissoudre ça, dissoudre eux, dissoudre eux, dissoudre eux, voilà, et on va relancer une phase de recrutement. Et non, j'ai fait de la merde. Parce que je peux pas encore recruter parce qu'il faut que j'améliore ça. J'ai pas encore assez de thunes. Mais c'est bon, pour l'instant je suis bien, donc je vais laisser comme ça. Ici on va. On va faire ça pour avoir plus de revenus encore. Ici il faudrait réparer ça, mais on n'a pas encore assez de thunes. Ça c'est fait, ok. Écoutez, il faut qu'on attende. Là, dans une phase où il faut qu'on attende. Renez s'il faut. Ici, je pourrais construire un truc aussi. Mais j'ai peur qu'elle se fasse attaquer. Et j'ai peur de gâcher ma thune.
à construire un truc qui au final me sert pas à grand chose. On va voir. On va passer le tour ici. Balabalaba. T'inquiète pas, Nessifo, tu peux être un viewer discret. Voilà, on va se faire attaquer roche de fer. On va se faire attaquer et prendre roche de fer, je pense, mais c'est pas grave. C'est pas important. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer notre armée qui est à l'est pour la faire descendre au sud sur cette communauté ici pour pas quand même qu'ils puissent approcher et prendre cet espace qui est quand même une bonne défense. Sachant que pour l'instant les armées du chaos sont assez loin, elles ne nous font pas forcément peur. En fait, cette armée, je vais la déplacer par là. Parce que là c'est sûr que je vais me faire attaquer ici et je vais me faire tout prendre, c'est obligé. Alors là, il me faut combien? Il me faut 4500, c'est énorme. 2200 pour ici. Là, franchement, il faut juste que je déplace ça. Repoivre. Faut qu'eux aillent ici en fait, parce que je vais me faire attaquer ça. Les orques vont me prendre cette ville, c'est obligé. Après, moi je veux juste pas qu'ils remontent et prennent celle-là, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même une ville qui est intéressante. Donc je descends mon armée ici, là, pour qu'ils puissent défendre cette communauté. Sachant qu'il faut absolument que j'ai une armée aussi ici, car le chaos peut venir soit de là, soit de là. Et s'il arrive de là et que j'ai personne ici pour les repousser, ça va être très compliqué. Alors, mon petit espion là qui est un peu partout. Sachant que j'ai des alliés ici. Hein. J'ai des alliés ici. Ici c'est mon allié qui peut du coup qui peut m'avertir en fait si le chaos passe par là. Donc moi j'ai vraiment besoin de mon petit espion ici qui va surveiller ce défilé là. Pour faire attention aux troupes du chaos. Bon là on a eu vampire mais ça va. Ici on a toujours nos alliés là. Ici c'est les Tilés. Ils sont pas forcément alliés mais qui sont plutôt neutres, donc ça va. Ok, on passe le tour. Donc là je risque de me faire attaquer par les peaux vertes. Je pense. Voilà, exactement. Donc là je vais abandonner la communauté hein. Pas de problème, je savais. J'ai pas perdu grand chose dans cette communauté donc ça va. Ah les voilà les guerriers du chaos. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Par contre s'ils sont en train de créer l'espèce de portail leur permettant de se téléporter. Je vous avoue que là ça me rassure pas du tout. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de faire en fait. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire des espèces de. C'est un peu flippant cette histoire. Du coup, je sais pas si je continue à les faire se déplacer ou pas. Je ne sais pas du tout. Ici j'ai toujours pas assez d'argent pour augmenter ça. Ça va me prendre beaucoup trop de temps. Ça va être compliqué cette histoire. En plus, je sais pas si eux ils pourront pas atteindre là en un tour, c'est pas possible. Moi je devrais atteindre ça au prochain tour, donc ça devrait aller. Enfin, je trouve un moyen de gagner plus d'argent, mais je peux pas vraiment. Pas sans en dépenser, on va dire. Je vais passer mon tour. Je vais voir ce qui se passe. Les peaux vertes. Ah, ils reviennent quand même en force, les peaux vertes. Ouh,
Attention, ils arrivent. Est-ce que je vais pouvoir atteindre ma ville avant? Je suis vraiment pas sûr. Ah bah voilà, Captain, t'es mort. Bien joué. Bisous à toi, Captain. Merci d'être passé, en tout cas, ça fait plaisir. Et merci pour ton petit don généreux. Vague, ça bug un peu, mon jeu lag un petit peu. Peut-être baisser un peu les qualités graphiques. Juste un poil. Alors, un évaluateur est arrivé et demande des conseils pour résoudre un conflit entre deux clans. Les deux clans déclarent poser une... Ouais, ça on a déjà vu, donc dispute minière. Il faut que je donne au clan Wise, il faut que j'augmente mes revenus en fait. Ok, sachant que j'ai pas mal de mines. Ok, donc ça c'est fait. Je vous rends dans les options. Graphisme. Je mets en moyen. Pour éviter que mon ordi meure prématurément. Vous m'excuserez. Voilà. Voilà. Moi je vois pas trop la différence, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que eux peuvent atteindre la ville? Oui, parfait, donc go atteindre la ville. Voilà, comme ça vous mettez là. Et on va tenter une défense de cette ville. Même si à mon avis ça risque d'être un peu compliqué. Mais on peut essayer, on peut essayer. Ici, donc. Je peux toujours pas améliorer ça. Je peux améliorer ça, mais ça ne m'aide pas trop. Je pourrais améliorer ça qui améliorerait mes revenus. Mais ça me prendra du temps. Alors je réfléchis. Revenu généré 400. Et si là j'augmente, revenu généré 450. Donc mieux vaut que j'augmente ça en fait. Et là ce qu'on va faire avant qu'ils attaquent. Ah, je peux pas recruter d'unité. Dommage. C'est dommage, je me serais bien pris quelques unités en plus, ça m'aurait pas fait de mal. Là, je peux toujours pas recruter d'arquebusier. Il faut une armurerie. Bon, on va bien voir. Au pire, c'est pas grave, je recruterai ceux que j'ai virés tout à l'heure. C'est pas très important. Ok, c'est fait. Je pense qu'on va se faire attaquer là. On va se faire attaquer, on va devoir défendre notre ville. Sauf s'ils renoncent du coup, en ayant vu qu'on a placé notre armée... ici, mais je pense pas, je pense que là ils vont nous attaquer. Voilà, parfait. Ok, c'est kiff kiff. C'est kiff kiff. Mais je pense qu'on peut prendre part à la bataille. On peut tenter de défendre ce poste. En essayant d'essuyer le moins de pertes possible, bien sûr. Parce qu'on sait que derrière, il y a le chaos qui arrive et que ça fait pas rire les mouettes, quoi. Là, Marjo, tu peux laisser la porte ouverte en fait. Tout ça, il fera moins chaud. On sait faire super chaud ici. Merci. Alors, regardez, c'est magnifique. On est aux portes du défilé. Alors, ils sont pas énormément, mais il y a beaucoup d'unités de cavalerie, je crois. Enfin, de cavalerie, voilà. Des trucs qui se déplacent vite et qui peuvent vite nous encercler. Et ça, c'est très, 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 très chiant. Chaos. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lui va être avec les... Ah, mais ça, c'est les renforts qui arrivent. Lui, je vais le mettre avec les longues barbes. Et lui sera avec le reste. Hop. Voilà. Les archers. Les archers. Et ça, c'est la. Ça, c'est les renforts. Ah non, ils sont là en fait. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, c'est juste parce que. Oui, c'est parce que eux en fait peuvent se déployer plus loin. Mais bon, on va pas les faire se déployer plus loin. Alors, vous deux, vous serez là-dedans. Vous deux, dans ce groupe-là. Vous deux, dans ce groupe-là. Vous deux, dans ce groupe-là. Toi dans ce groupe là et toi dans ce groupe là.
Voilà. Il reste vous à vous mettre là. Et ensuite, il restera ça, du coup, qui sera le 4. Alors, on va faire une. La première ligne sera des gardiens, hein, je pense. Ouais, et les piocheurs. On va les placer comme ça. On va essayer d'étendre. Enfin, en fait, je sais pas si on étend ou pas. Ce qu'on va faire, c'est que. On va faire comme on faisait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va placer nos archers entre les lignes de nos fantassins pour pas qu'ils se fassent retourner en fait. Tout simplement. On va garder nos catapultes bien en arrière, sachant que là, elles ont la portée, donc ça passe. Par contre, eux, lui, il n'a rien à faire là. Et du coup, mes catapultes. Là, elles sont à portée, c'est pas mal. On va bien les mettre comme ça, je pense. Ça devrait être pas mal. Alors, lui, il a deux sorts, inébranlable et anneau d'Antori, donc ça, je me rappelle. Et lui, il n'en a pas. Ok, c'est parti. Ok, donc là, ils vont nous contourner, hein, comme ils font comme d'habitude, quoi. Ils font toujours ça. Ils vont tester, ils vont tenter de nous contourner. Nous, on va pouvoir les. Déjà, voilà, déjà leur faire subir des assauts de catapultes. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais j'espère que ça se passera bien. Sachant que là, j'ai pas l'avantage, hein, c'est vraiment kiff. C'est vraiment 50-50. Donc, on va voir comment ça se passe. Déjà, les catapultes risquent de faire un peu le taf. Ah, ils sont complètement en train de me retourner ça, et ça me plaît pas du tout. Alors, hop. Vous, là-dedans. Là-dedans, 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 toi sur le chef. Avec un petit coup de feu là, ça va les calmer. Plus le fonçage. Voilà, ensuite, vous, là-dedans, là-dedans, là-dedans. Vous avez tenté d'aller là-dedans pour les intimider. Pareil ici en défense. Là-dessus, et vous allez foncer également dans le tas, et je pense que ce sera pas mal. Et mon deuxième héros qui est ici va également foncer dans le tas. Je pense qu'on va faire ça. C'est parti. Voilà, le feu a fait le taf. Mes archers bougent pas. Voilà, ici ça fait le taf aussi. Eux ils vont se retourner là-dessus. Eux ils vont se retourner là-dessus. Eux ils vont continuer à mettre la pression. Eux vont continuer à tirer sur eux. Eux vont plutôt tirer là-dessus. Il faudrait pas défoncer nos propres troupes. Ça serait un peu con. Toi. Oh putain, ils arrivent par derrière. Ok, vous. Ok, là il n'y a pas besoin d'avoir autant de mecs là. Donc là vous allez apporter votre soutien derrière. Là, je me fais retourner aussi. Hop, allez les aider. Vous, vous leur tirez dessus à eux. Tant pis pour nos propres troupes, c'est pas grave. C'est pas compliqué, Poab, c'est ultra stratégique en fait. Du coup, là, c'est le moment où on se retourne. Il faut aller aider nos troupes. Alors je pense qu'ils n'ont pas besoin d'aller là, il faut qu'ils retournent ici. Où est mon guerrier? Toi, il faut que t'apportes du soutien là-bas. Vous êtes beaucoup trop loin. Je sais pas pourquoi vous êtes parti là-bas, mais...
N'importe quoi. Bon, mes catapultes sont perdues, malheureusement. Fallait que je m'y attende. Ah, attendez, je vais monter ça comme c'était d'habitude. Ok, alors, il faut absolument qu'on reforme quelque chose là. La feu. Bon, je les ai délingués. Ok, hop, vous, il faut que vous apportiez votre soutien là-bas. Putain, il y a encore des ennemis cachés quoi, t'es sérieux? C'est la débandade cette cette attaque, complètement là. C'est complètement la débandade. Alors, attendez. Faut absolument que je la fasse regrouper mes troupes. Allez les gars, courage petit nain. Courage. Là-dessus. Là-dessus. Il faut absolument qu'il tire sur les. Sur les gros. Je perds beaucoup trop d'hommes, je perds beaucoup trop d'hommes dans cette bataille, je devrais pas en perdre autant. J'essaie de reformer une ligne. C'est bon, c'est fait. C'était chaud hein, c'était vraiment chaud. J'ai perdu beaucoup trop d'hommes. Mais il fallait que je défende cette, cette cité. Bon, ça a été fait, j'ai pas pu anéantir complètement l'armée ennemie. Faut vraiment que je trouve une solution à ces débordements qui me font là les orques, c'est vraiment vraiment pas possible. Parce que vraiment à chaque fois ils sont sur moi. À chaque fois ils me prennent en tenaille sur les côtés et ça c'est vraiment plus possible. Faut que je trouve le moyen de pouvoir je vais relâcher les prisonniers puisque j'ai besoin d'argent. Je vais laisser mon armée ici hein, pour qu'elle se reforme. C'était pas ouf hein. C'était un peu compliqué. L'enfant est sorti donc ça va. Moi tout ce que je veux c'est que le chaos déboule pas maintenant, sinon je suis vraiment dans la merde. Ma poab, si t'as du mal à comprendre, va voir les premiers épisodes sur YouTube où j'explique plus simplement le mode de jeu, etc. Je pense que du coup tu seras plus à même de comprendre un peu ce qui se passe. Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter ça? Alors, hop. Là, je vais augmenter ça. Ok, ici, je peux rien construire parce que j'ai plus d'argent. Toi, tu restes là. C'est très bien, t'as la vision. Ouais, salut Hard, bienvenue à toi. Bienvenue. C'est ton premier Total War. Bien sûr que non.
J'ai joué beaucoup à Medieval 2 Total War, qui est le Total War auquel j'ai plus joué. J'ai beaucoup joué aussi en étant plus jeune à Rome Total War, premier du nom. Premier du nom. Il faudrait que je prenne. Putain, ça c'est bien, mais le problème c'est que pour l'instant je peux pas le prendre. Ça c'est pas mal, un peu plus de saveur. Ça, Osef. Ah, faut que je prenne ça. Je pense que pour commencer, en fait, si tu veux les Total War, du premier, donc Rome Total War, jusqu'à Medieval 2 Total War, tu as à peu près le même gameplay. Et après, de Empire Total War jusqu'à celui-là, donc en prenant aussi les remakes de Rome qui s'appellent Rome 2 Total War, Shogun qui est là-bas par exemple, attends, je vais te montrer. Genre ceux-là, tu vois. Genre tout cela, c'est complètement une autre manière de fonctionner au niveau de la gestion des communautés. Donc c'est pas pareil, c'est plus complexe. Je pense que si tu veux commencer à Total War, plus pour te dire que tu veux en faire d'autres qui sont plus actuels, commence par Rome 2 Total War. Si tu veux faire un Total War en te disant que tu veux vraiment commencer depuis le début, commence par Rome Total War, le premier du nom, ou Medieval Total War, qui est vraiment cool aussi. Mais voilà. Sachant que tu vois, moi je sais bien jouer à Medieval Total War qui a l'ancien gameplay, l'ancienne gestion. Et du coup là, je suis un peu perdu au niveau de la gestion des communautés, c'est un peu compliqué parce que ça n'a absolument rien à voir en fait. Mais bon, je me soigne, tout ça. Les premiers sont plus accessibles? Oui. Je pense oui, parce que il y a une gestion des communautés qui est complètement différente et qui est pas. Comment dire? Je pense que je vous ferai une vidéo sur Medieval Total War 2 pour que vous compreniez à quel point c'est différent. En fait, là où Total War Warhammer est compliqué, c'est qu'en fait tu évolues dans un monde que tu ne connais pas, c'est-à-dire que tu connais pas la carte, etc. Sauf si tu es bien au fait de l'univers de Warhammer. Quand tu joues à par exemple Medieval Total War, tu joues bah la France, l'Angleterre, l'Espagne, toute l'Europe en Pillez et brûlez tout ce que vous trouverez ici, puissant seigneur. Ces terres ne sont pas dignes de votre clan. What the fuck? Mettre des raids, mais ouvrir une lande publique. Je m'en fous de ça. Enfin, non, ça, je m'en fous pas, mais voilà. Donc, en fait, il y a déjà ça. Et il y a le fait, ouais, que la gestion des communautés dans les premiers Total War est plus, on va dire. Je sais pas comment dire. C'est plus arcade. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment expliquer ça. Putain, je vais me faire réattaquer là. Mon armée est pas prête. Je vais péter les Français, c'est lequel? Prends Medieval Total War. Medieval Total War, le 2. Prends Medieval 2 Total War. Je pense que c'est le meilleur parce que c'est un des. Enfin, il a été fait quand ça commençait à devenir un peu beau. Tu vois, les Total War ont commencé à devenir un peu beau. Il doit pas coûter cher. T'as des heures de jeu à n'en plus pouvoir. T'as plein de pays. Il est génial. J'y ai passé des heures et des heures et des heures. C'est juste un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Donc, si tu veux commencer, prends Medieval Total War 2. Et tu t'en fous de pas jouer au 1. 5,89. Et il coûte 5,89€. Bah, prends-le, mec. Prends-le. Même moi, je vais me le racheter, je pense, tu vois. Parce que je l'ai plus là. Parce que je l'avais en CD, mais je peux pas le réinstaller. J'ai plus de lecteur CD sur mon PC. Tout ça pour dire que quoi, oui, j'étais dans la merde là, il faut que je jette des trucs. Tueur, je me trier. Il faut que je fasse ça. La version collector. Ah bah en plus c'est parfait. C'est parfait. Merci à toi pour ton follow, merci beaucoup, bienvenue. Ça fait plaisir. J'ai pas grand chose à faire là pour ce tour malheureusement. Je dois attendre que eux ils me rattaquent. Ça va être un peu compliqué d'ailleurs parce qu'ils sont. Oh mais je veux pas traiter avec toi, t'as un FDP. Ça va être un peu chaud là cette fois. Pas de problème, je suis là jusqu'à 20h. Merci à toi.
Bon CSGO. Bonne chance, et plein de Russes avec toi qui disent n'importe quoi et qui feed. Où sont les guerriers du chaos? Je n'ai pas l'info des guerriers du chaos, ça m'énerve. Et d'ailleurs, ils m'ont pas attaqué du coup. Ils sont en train de se regrouper. J'aurais peut-être dû sortir et les attaquer, mais bon. Je préfère rester dans ma communauté et reformer un peu mes troupes. C'est compliqué. Le taunt. Putain, je sais qu'ils mettent des raids, mais qu'est-ce que je te dis? Moi, je vais pas les attaquer, je vais pas sortir de chez moi. Quoique là, je pourrais sortir et les déglinguer. Peut-être. En fait, je sais qu'ils peuvent pas attaquer ma communauté parce que j'ai cette armée-là plus l'armée qui est à l'intérieur de la communauté. Donc, je suis plutôt safe. Et eux, je sais qu'ils peuvent pas vraiment se regrouper en fait. Bon, bref. Oh putain, il faut que je fasse ça. Je pourrais faire les canons. Ça dépense toute ma thune, mais tant pis. Est-ce que je peux recruter ici? Timideur. Ça prend 2 tours. Bon, petite sauvegarde des familles, les amis, comme d'hab. Du coup, YouTube, vous savez ce que ça veut dire. De toute façon, vous avez vu la barre de YouTube rouge arriver vers la fin de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va continuer, évidemment. On va faire un deuxième épisode ici, donc vous aurez la suite très bientôt. Merci à vous, à plus tard.